Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment faire une petite soupe de pâte de porc. Vous voyez, non? On va cocoter ziba la sauce qu'il y a des cocottes ziba là. On ferait un genre comme ça. Ici, pour débuter la recette, j'ai pris des pâtes de porc. On appelle ça pied de porc chez nous. Sur lesquelles je vais rajouter de l'eau. On va laisser tout ça là bouillir. J'ai salé légèrement. Quand ça bien bouillit comme ça, je viens les retirer. On va les retirer pour les rajouter dans une cocotte de côté. Là, je rajoute mon bouillon d'assaisonnement bio qui vient remplacer le bouillon d'assaisonnement industriel. C'est parce que si vous entendez le bruit d'une ponceuse là, ça doit être le voisin. Donc, vous allez beaucoup nous excuser. Un peu de concentré de tomate. Pour le bouillon là, pour ceux qui seraient intéressés, je vais laisser les différentes informations pour mes commentaires qui seraient épinglés. Là, j'ai rajouté un peu d'oignon. Du sel. Pâte à l'ail au gingembre. Du poivre blanc. De l'eau, juste un peu d'eau pour ne pas que le bala puisse cramer. Là, on va on va mélanger, on va laisser tout ça revenir quelques temps. J'ai laissé environ 3 minutes, 3-5 minutes. Minutes. Et là, je rajoute de l'eau. Je viens ajouter, quand ça a bien bouilli, là, j'ai laissé bouillir environ 30 minutes. Aujourd'hui, elle donne les durées. Hein. Oignon, poivron rouge, piment. J'ai pas rajouté de tomate. Hein. Quand c'est cuit, je vais retirer les légumes là pour les mixer. Ça, c'est poivron façon gros piment végétarien rouge. Voici la mixture obtenue qu'on va par la suite rajouter à notre sauce. Et on va mélanger le tout. Un peu de jus de citron, c'est facultatif, hein? Je vais rectifier mon assaisonnement avec mon bouillon. Et là, je jette un piment. Et on va laisser tout cela faire pita 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 pita. Ça va encore bien cuit comme ça. Bien bouilli. Là, ma sauce étant prête, on va dresser et on se retrouve à tout à l'heure pour le résultat final. Ok les amis, voici le résultat de mon plat final. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager.
Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dit à bye bye. On va goûter un peu de soupe. Hein. Mon attique n'est même pas encore réchauffé. Tellement je suis pressée, même là. Tu sais, est wagadja comme ça. Mal est faux. C'est mal. Si je vous dis le contraire, c'est que même Dieu me voit. J'ai peur de comme ça. Est-ce que je vous invite même? Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,